Salut tout le monde, c'est WarGamer34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, tout simplement pour faire un tutoriel sur le véhicule blindé soviétique BMP2. Ça fait extrêmement longtemps que je l'avais promis, et vu qu'il ressemblait plus à un énorme tank qu'autre chose, et ben, j'ai attendu et j'ai fait plusieurs modifications. Donc voilà à peu près à quoi il ressemble. Franchement, après des centaines de modifications, je trouve qu'il est quand même assez cool, assez stylé. Voilà. Après, il y a même les systèmes, vous savez, tourelle lance-grenade, etc. Et puis, ben, écoutez, on commence tout de suite. Alors, on va commencer. Ah oui, on va commencer avec des escaliers en pierre taillée. Alors, vous en mettez un retourné. Puis ensuite, vous allez prendre les meules. Et vous allez mettre comme ceci. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, voilà, c'était 10. Et ensuite, vous allez remettre un escalier en pierre taillée retourné. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter de la roche. Comme ceci. Ah merde. Voilà. Encore un escalier retourné. Et là, vous allez prendre les boutons en chaîne noire. Et vous allez laisser juste deux. Comment? Deux. Ah oh, puis merde. Regardez. Voilà. En gros, à chaque fois, vous laissez deux comme ceci. Enfin, je veux dire, aux deux extrémités, vous laissez juste les deux blocs d'extrémité. Mais sinon, vous mettez des boutons partout. Comme ceci. Ensuite. Alors, si je me souviens bien. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça fait 7 de large. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc en tout, ça nous fait 7, bien évidemment. Là, vous faites exactement la même chose de l'autre côté qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Encore la même chose. Donc franchement, globalement, il est assez facile comme tutoriel. J'espère que pour vous, il ne ressemble pas juste à un énorme machin, parce que bah, de base, c'est ce qu'il était au départ. Et puis, moi, là, lorsque je vous parle, encore une fois, ça fait déjà pas mal de temps. Oula, ah, c'est bon. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'avais modifié, mais que ça m'était totalement sorti de la tête de l'avoir mis en ligne. Voilà. Donc, et ensuite, vous mettez du. Vous remplissez par pierre taillée. Et non, en fait, j'ai fait une connerie. Ici, vous supprimez les trois du milieu, comme cela. Et ensuite, tiens, d'ailleurs, j'avais pas rempli ceci. Et là, vous allez prendre les dalles de roche lisse. Et en fait, en dessous, en fait, c'est totalement stupide. J'aurais même dû le faire avant, vous voyez. Ça, c'est pas très intelligent de ma part. Vous en placez comme ceci. Voilà. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. J'essaie de pas aller trop vite, histoire de pas casser les meules. Parce que sinon, ça va encore être pas pratique pour les remettre en état. Donc, une fois que vous avez fait ça, ah oui, par contre, devant, oui, c'est ça. Là, par contre, devant, vous remplissez totalement. Ensuite, vous allez prendre les cadres, et ici, vous allez en mettre deux comme ceci, deux comme cela. Les traditionnels vitres jaunes. Ensuite, vous n'en avez plus besoin. Les meules non plus, d'ailleurs. Là, vous pouvez laisser comme c'est. Et là, vous allez prendre la pierre, et vous allez remplir tout l'espace, ici. Et par contre, si vous allez laisser, vous voyez, parce que ça va nous être utile pour après. Donc voilà, là vous avez juste à remplir l'ensemble du blindé. Voilà. Bref, une fois que c'est fait, maintenant on va passer à l'arrière. Alors, des cadres sur les quatre escaliers retournés. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de ceci. Vous mettez une échelle au milieu. Et. Ah voilà, c'est bon. Et là, vous allez prendre des trappes en sapin et vous allez les placer comme ceci. Ensuite, attendez, on va faire à l'arrière. Alors, pour ceux qui ont vu mon tutoriel sur le T72, eh ben, faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire, voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, donc en fait, vous placez ça comme ça. Vous prenez des pancartes en chaîne noire et vous allez les disposer de cette manière. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre des bannières grises, enfin gris clair plutôt, et vous allez les placer comme ça. Quant au côté, bah, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Vous allez juste mettre un cadre et un coffre. Un cadre et un coffre, et au-dessus vous allez juste mettre des dalles de roche lisse. Voilà, une fois que c'est fait, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir retourner à l'avant. Ah non, attendez. Ensuite, vous allez prendre les trappes en fer, vous allez faire comme ceci. Voilà, censé donner ça. Voilà, en fait, vous faites 1, 2, et là ça doit faire un carré de 4. 1, 2, 1, non, 1, 2, 1, 2. Voilà, censé donner à peu près ça. Enfin, c'est même pas à peu près, c'est que ça doit donner ça plutôt. Ensuite, le coffre, vous n'en avez plus besoin. Circuit de verte non plus, échelle non plus, bouton noir, bref, on verra. Ensuite,
Oui, en retournant à l'avant. Alors à partir du bloc de milieu, vous allez faire 1, 2, 3. Et à partir du troisième, vous allez partir sur les côtés. Donc 1, 2, 3. Et là, vous allez mettre deux trappes en serpent de chaque côté. Vous allez reprendre les trappes en fer. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre des crânes de squelette. Vous allez les disposer comme ceci. Il faut qu'ils soient qu'ils regardent tous les deux dans la direction opposée. Donc voilà. Ça se fait. Ensuite, vous allez prendre des escaliers en pierre taillée. Vous en mettez deux comme ceci. Et oui, voilà, je suis toujours ma roche. C'est la question que je me posais. Et là, vous faites. Il me semble que c'est une demi-dalle. Oui, voilà, c'était ça. Donc là, vous placez une demi-dalle. Vous placez un levier dessus et vous le tournez comme ceci. Vous allez prendre des portières en chine noire et vous faites 1, 2, 3, 4. Voilà, ça ensuite, vous n'en avez plus besoin. Puis ensuite, sur les côtés, vous allez rajouter escalier ici. Escalier ici, vous mettez la pierre de cette manière. Là, vous allez mettre 1, 1. Ensuite, rebelote. Rebelote. Ça me fait rire parce que ça me passe si on utilise encore cette expression. Donc voilà. Ensuite, vous prenez les briques rouges pour faire la traditionnelle étoile rouge de l'armée rouge. Lol. Ensuite, vous allez mettre des crochets des deux côtés comme ceci. Et y a un problème. Non, non, il n'y a pas eu de problème. Désolé. Vous allez placer deux fours comme ceci. Et là, alors je me. Oui, voilà, c'est bon, ils sont accrochés. Donc vous allez placer deux crânes de squelette comme ça. Un escalier comme ceci. Là, vous remplissez avec de la pierre. Voilà. Et là, on va pouvoir attaquer le dessus. Alors pour le dessus, vous aurez besoin d'une enclume. Donc vous les mettez sur les étoiles rouges. Les demi-dalles, vous en mettez comme ceci. Et le milieu, ah oui, le milieu c'est un peu différent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous mettez trois demi-dalles. Voilà, ça. Non, non, attendez. Voilà, vous mettez juste trois demi-dalles devant. Et là, vous allez faire un. Ok, oui, c'est bon. Vous mettez un comme ça. Voilà, ça doit donner ça. Grosso modo. Parce qu'au milieu, vous aurez la trappe. Alors qu'en fait, vous allez placer la trappe en. Ah putain, la trappe en bois de bouleau. Donc vous la placez comme ceci, si vous n'avez plus besoin, fort non plus d'ailleurs. Ah oui, donc ensuite, dans les interstices, bah vous replacez des dalles. Il me semble que c'est. Putain. Ah, je suis con. Attendez. En fait, non. Faut placer. Oubliez ce que je viens de faire là. Vous placez trois demi-dalles au niveau des fours, comme cela. Ça, vous gardez, vous ne touchez surtout pas. Et. Vous en placez un comme ça. Là, vous rajoutez une. Merde. Dans ce modo, là, vous rajoutez une demi-dalle à l'arrière. Vous faites exactement la même chose ici. Et là, vous mettez de la pierre. Et là, on va pouvoir terminer avec le système de lance-grenade comme ceci. Donc, en fait, vous mettez deux têtes de wizard squelette. Ensuite, système lance-grenade. Donc, vous mettez un levier de cette manière et un parti en bois d'acacia. Voilà, je fais un peu le ménage au passage. Et je crois que. Ouais, voilà. Ensuite, vous prenez un capteur de lumière et vous venez le placer juste à côté ici. Alors, vous ne le touchez pas, bien entendu. Et là, bah, c'est pratiquement. Attendez, parce que je dise pas de conneries. Logiquement, je crois qu'on a tout fait sauf les antennes. Ouais, et bah écoutez, il ne reste plus que les antennes. Alors, pour ça, rien de plus facile. Vous prenez des barres de fer et vous allez venir sur les escaliers ici. Vous allez faire 1, 2, 3. Voilà, comme ceci, 1, 2, 3. De l'autre côté, vous faites exactement pareil. 1, 2, 3. Ok. Et là, vous allez venir faire 1. Vous allez avancer de 1. Vous allez remonter comme ceci. Merde. Et comme cela. Voilà. Et bah écoutez, vous faites bien évidemment same de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est tout pour le BMP2. Donc voilà, franchement, j'espère que ce véhicule vous aura plu. Il était quand même assez court, je trouve, parce que comparé à d'habitude, je fais des vidéos quand même beaucoup plus longues. Donc là, je trouve qu'il est quand même très bien réalisé. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Et avec les fêtes de Noël qui approchent, bah écoutez, je vous souhaite joyeux Noël. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ce n'est pas déjà fait. Et d'autant plus, bah, je compte sortir également d'autres tutoriels. Hein, notamment, il y en a un derrière. Plus d'autres hein, qui suivront, rassurez-vous, ça vous serez pas en manque. Et puis, ben, attendons bonne fin d'année, bonne fête de Noël, prenez soin de vous. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao!